D'être tous toujours branchés sur cette chaîne YouTube, l'élu des Tétas, Mwanga Dibanga Banga. Votre humble serviteur qui était cet élu est toujours là pour pouvoir vous emmener quelques informations, vous sensibiliser, vous éduquer au maximum des connaissances qu'il détient. Non pas loin de cette prétention d'être le plus grand maître, le plus grand connaisseur des grands mystères de la vie, loin de là, mais c'est juste des connaissances que je viens partager et que moi-même j'ai d'abord expérimenté au cours de mon parcours de moins 44 ans sur ce cheminement spirituel. Toujours à la recherche de l'inconnu, toujours à la recherche des réponses, des questions que les humains se posent. Aujourd'hui, la question donc, que nous allons aborder a un rapport avec les sacrifices. Ces sacrifices, c'est les sacrifices d'animaux, les sacrifices même humains. C'est-à-dire que, il y a certaines pratiques spirituelles, malheureusement, certaines pratiques magiques. Quand je dis malheureusement, parce que cela frustre les populations. Cela entraîne la perte d'un proche, cela entraîne la perte des amis et connaissances. Et à qui profitent ces sacrifices? Donc c'est de ça que nous allons parler. À qui profitent ces sacrifices que certaines personnes font? Que ce soit des sacrifices d'animaux ou même des sacrifices humains.
Allons-y d'abord voir le dictionnaire. Pardonnez-moi, je n'ai pas mon dictionnaire Larousse, mais j'ai consulté le dictionnaire Oxford. C'est un dictionnaire américain. Il est très respecté, utilisé dans la plupart des grandes universités ici aux États-Unis. Donc, nous allons apprendre ce que c'est le sacrifice humain. Sacrifice. The sacrifice. It's an act of slaughtering an animal or a person or surrounding a possession as an offering to God or to a divine or supernatural figure. And we can sometimes say it's the people offering sacrifices to the spirits. The sacrifices are mainly practiced in religious groups or some certain secret sects. Je ne vais pas aller trop loin dans la définition de Oxford. Oxford Language. Nous avons tous entendu que le sacrifice est un acte qui consiste à couper la tête ou à découper un animal ou un humain ou rentrer en possession de ceci afin d'offrir cela à Dieu ou bien d'offrir cela à des divinités ou à une divinité ou à des entités. Et souvent, la plupart des sacrifices sont d'ordre religieux, sectaire, et la liste est longue. Voilà donc la définition. Partant de cette définition, il fallait que je puisse, au cours de ma réflexion et de ma méditation, chercher également à comprendre d'abord, après avoir identifié ce que c'est, de pouvoir catégoriser les sacrifices. Parce qu'il y a sacrifice et sacrifice. Vous n'allez pas dire que quelqu'un qui va sacrifier sa vie pour pouvoir atteindre des buts dans sa vie, que c'est un sacrifice, il va sacrifier quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai catégorisé les différents sacrifices. Il y a les sacrifices individuels en vue d'atteindre des objectifs dans sa vie. On sacrifie son temps, on sacrifie même sa famille, on sacrifie tout ce qu'il y a autour. Et à la fin, on obtient ce que l'on veut. Je prendrai le cas de ceux qui sont en Europe, beaucoup, et même ici aux États-Unis, nous avons fait beaucoup de sacrifices dans nos vies. Le sacrifice que j'ai dû faire personnellement, je ne vais pas tout le temps vous faire le témoignage, partant d'une formation de gestionnaire à la maintenance industrielle, en passant par le domaine du pétrole et la politique, bien sûr en tant qu'un élu du peuple, Me voici ici aux États-Unis en train de reprendre la vie à zéro. Où j'ai commencé ma vie en tant que cuisinier, en tant que soudeur, en faisant la soudure hydraulique, et à la fin, repartir à l'école pour pouvoir obtenir un diplôme en psychologie du comportement. Et de cette psychologie du comportement, cela va m'ouvrir des opportunités pour me retrouver finalement dans la thérapie psychiatrique. Voyez-vous, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des sacrifices. Ces sacrifices, malgré mon âge à l'époque, mon âge avancé, j'ai dû sacrifier ma famille. J'ai dû sacrifier mon temps. J'ai dû sacrifier même le temps que je passais aux arts martiaux. J'ai dû sacrifier mon temps dans la spiritualité, car il fallait être toujours en possession des livres. J'ai dû sacrifier pas mal de boulots où je pouvais travailler comme un fou, jour et nuit, et j'obtenais près de 800 000 par semaine, c'est-à-dire le boulot où j'étais assistant cuisinier. Je pouvais bien me dire que je resterais le long de ma vie à faire la cuisine dans ce grand hôtel où il y avait une promotion en vue, n'est-ce pas? 800 000 et quelques par semaine, imaginez-vous. Je serais la personne que j'avais laissée là-bas aujourd'hui, elle touche près de 1 400 000 par semaine. Il est autour de 5 millions par mois. Il est véhiculé, il est logé, il voyage à travers le monde. Mais moi, j'ai fait un sacrifice pour cela. J'ai sacrifié cela. Parce que mes objectifs n'étaient pas de devenir un cuisinier, ça et là, bien que j'ai ce don de la cuisine. Alors, je choisis ce que je fais. Ça, on appelle ça le sacrifice individuel. Ce sacrifice individuel a pour but pour vous permettre, face à des réalités de la vie, face à certaines situations, vous êtes obligé d'utiliser l'adaptation ou l'adaptabilité. Vous êtes obligé de vous adapter face aux réalités de la vie. Et par rapport à cette adaptation ou adaptabilité, rien n'est facile pour vous.
alors vous êtes obligé de faire un revirement intellectuel, un revirement, parfois une rénonciation de vous-même. Vous allez vous renoncer par rapport à ce que vous étiez avant. Alors, ce genre de sacrifice, naturellement, entraîne beaucoup, beaucoup de sacrifices. Mais il y a aussi un autre sacrifice. Toujours dans mes catégories, selon mes propres avis, vous êtes libre de les accepter ou pas, mais s'il vous plaît, ce que je partage, c'est ma propre expérience. Je n'ai pas lu cela dans un livre, mais ce sont mes propres expériences que je partage. Donc, la deuxième forme de sacrifice, j'ai appelé cela le sacrifice de soi. Ce sacrifice de soi, en fait, consiste pour vous d'apporter quelque chose de bien pour les autres. Je répète, ce sacrifice de soi, c'est pour vous permettre, vous vous sacrifiez vous-même, mais pour apporter quelque chose de beau pour la communauté, pour la collectivité, pour le peuple. Et c'est ainsi que nous avons eu le cas d'un monsieur, par exemple, monsieur Indira Gandhi. Savez-vous que monsieur Indira Gandhi a sacrifié sa carrière politique? Il était avocat de renommée. Il a sacrifié même son mariage, car il a demandé le divorce immédiatement avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il avait même tué son désir sexuel. Il ne pouvait pas garder une jeune femme. Il a supplié sa femme, « Chérie, je ne triche pas, je ne fais pas ceci, mais j'ai des objectifs, je dois libérer l'Inde. » C'était une grande responsabilité pour la libération du peuple indien. Vous pouvez vérifier cela dans les livres d'histoire de l'Inde. Donc, M. Indira Gandhi a dû sacrifier son mariage. Il a demandé le divorce parce que le désir sexuel n'existait plus. Il fallait qu'il remplace le désir sexuel par autre chose. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails, vous pouvez lire des livres sur lui. C'est ainsi que nous savons ce qu'il fit. Il fut tué pour la libération du peuple. Il a fait tout pour que les chrétiens, les hindous, les bouddhistes, toutes ces communautés religieuses qui étaient divisées grâce à Indira Gandhi, aujourd'hui vous partez en Inde et vous verrez l'Inde, ce que l'Inde devient aujourd'hui. Que vous verrez qu'à côté des voisins, il y a des chrétiens. À côté des voisins, il y a des musulmans. À côté des voisins, il y a des bouddhistes. Et tous vivent en harmonie. Il a fallu le sacrifice d'une seule personne. Parce qu'avant cela, ce n'était pas possible. Le pays était divisé. Mais le véritable but, et la véritable lutte d'Indira Gandhi, c'était de pouvoir s'en débarrasser du colonialisme sauvage. Et ce colonialisme sauvage, nous savons, c'était les Anglais. Les Anglais empiétaient sur la liberté des Indiens. Mais ce monsieur a fait des sacrifices. Ça, c'est ce qu'on appelle le sacrifice de soi, en vue d'apporter le bonheur aux autres. Il fut quelqu'un de très important, et il l'est toujours dans l'histoire. Et tout le monde fait des quotations de tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fit. Aujourd'hui également, au XXe siècle, nous avons connu un autre homme, c'est M. Martin Luther. Martin Luther King Jr., le grand pasteur que vous connaissiez, diplômé en théologie, lui également, il va sacrifier son temps. Il va sacrifier sa vie. Comment il sacrifie sa vie? Ben, il passera moins de temps à son église, il passera moins de temps auprès de ses ouailles, il passera moins de temps auprès de sa famille, mais il va commencer à marcher parce qu'il dit, il a eu un rêve. Et ce rêve, c'est de voir que le peuple noir serait libéré. Cela lui a valu quoi? Vous connaissez la suite. Il fut assassiné sauvagement, violemment. Mais après son sacrifice, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au sein de la communauté noire américaine, mais je vous dis qu'avec le mouvement de Civil Rights, en 1963, a quand même créé quelque chose d'un positif 20, 30, 40 ans plus tard. De 1963 jusqu'à l'an 2022, et surtout à partir de l'an 2008, lorsqu'un noir pour la première fois est élu président de la République, pour ne pas dire les États-Unis d'Amérique, certes, il n'a peut-être pas fait trop pour le peuple noir, mais quand même, il y a eu un changement. Et ce changement aujourd'hui, c'est grâce au sacrifice d'un homme. Ça, il a fait ce qu'on appelle le sacrifice de soi. Ce sacrifice de soi qui a eu un impact sur la communauté, qui a eu un impact sur le peuple. Troisième catégorie de sacrifice. Le sacrifice que je vais aborder ici, je l'ai intitulé le sacrifice spirituel. Le sacrifice spirituel, ça, c'est l'un des sacrifices les plus graves. Pour ne pas dire, pardonnez, le mot n'est pas approprié, je voulais dire, c'est l'un des sacrifices qui demande beaucoup. Parce que c'est ce sacrifice qui vous permet d'atteindre la grandeur, qui vous permet d'atteindre la grandeur spirituelle, qui vous permet de vous élever
que mes frères chrétiens me pardonnent, j'ai omis au passage de parler du sacrifice de leur Sauveur, Jésus-Christ. Mais là, ça ne m'intéresse pas trop, puisque la question qui a été posée, à qui profitent les sacrifices humains et les sacrifices d'animaux, ou de manière générale, à qui profitent généralement les sacrifices qui sont engagés? Je veux vous parler donc du troisième sacrifice. C'est le sacrifice spirituel. Savez-vous que nous autres qui sommes sur le cheminement spirituel, nous avons beaucoup de sacrifices à faire. À un moment donné, quand vous pratiquez réellement ce que vous avez reçu comme initiation, lorsque vous pratiquez réellement les ascèses initiatiques, lorsque vous pratiquez réellement toutes les connaissances spirituelles, à un moment donné, ces ascèses initiatiques vous demandent de pouvoir agir ici et maintenant. Et quand on utilise l'expression « ici et maintenant », ce n'est pas au lendemain, ce n'est pas à renvoyer, ce n'est pas à attendre. Ce n'est pas à donner des excuses. Ce sacrifice, eh bien, vous allez sacrifier votre temps. Vous allez sacrifier aussi parfois votre travail. Vous allez sacrifier la famille. Vous allez sacrifier les amis. Parce que le monde de la spiritualité, en ce qui concerne ce sacrifice spécifique, le sacrifice spirituel dont je parle, c'est au sens positif. Ceci afin de vous permettre, vous, de vous élever et de faire partie de ces dieux au milieu du firmament qui pourront apporter un impact positif pour la population. Donc, ce sacrifice spirituel, c'est pour faire de vous, à l'avenir, une divinité, faire de vous quelqu'un d'aussi important quand vous devenez un maître. Parce que quand vous devenez un maître, on ne doit point vous reprocher de faire du mal à quelqu'un. Bien que vous ayez la maîtrise, vous êtes le pilier du bien et du mal, et que vous pouvez utiliser le mal uniquement pour le bien. Car du mal, en faisant le mal, de ce mal peut sortir le bien. Je l'ai expliqué à plusieurs vidéos, je peux revenir dessus. Donc ce sacrifice spirituel, c'est un sacrifice qui vous demande de créer la séparation corps-objet, qui vous demande de créer la séparation entre le matériel et le spirituel. C'est un sacrifice qui va loin. Ce sacrifice va même jusqu'à vous demander à tuer les désirs de votre corps. Quand il s'agira, à un moment donné, lorsque les maîtres invisibles, les hachis célestes ou les entités de l'au-delà, quand ils sont vraiment amoureux de vous et qu'ils constatent que vous faites de grands progrès, qu'ils constatent que vous écoutez tout ce qu'ils vous disent, qu'ils constatent que vraiment vous observez les ascèses initiatiques, à un moment donné, ils vont pousser le bouchon loin parce que l'espace et le temps ne finissent point. Mais l'air passe. Nous sommes à l'air du Verseau. Et cette ère du Verseau va bientôt prendre fin. Oui, depuis le 21e siècle, nous sommes rentrés en plein dans cette ère du Verseau. D'ici l'an 2050, il se passera beaucoup de choses. Nous autres qui sommes en communion avec les forces célestes, avec les maîtres invisibles, on est souvent avertis. Et quand ils nous avertissent, ils demandent pour certains d'entre nous, qu'ils ont considérés comme des élus, de pouvoir accélérer le travail. Et que moindre distraction, parfois, ils peuvent nous demander de faire des sacrifices. Et les sacrifices qu'ils nous demandent, c'est lesquels? Je vous ai cité le cas de M. Indira Gandhi. Certains d'entre nous, quand nous avons atteint un certain niveau, ça dépend des écoles. Par exemple, l'école à laquelle j'appartiens jusqu'aujourd'hui, l'école du yoga tibétain, l'école du pranayama yoga, l'école du yoga, kundalini yoga, qui est une partie du pranayama yoga, puisque c'est l'éveil du prana, c'est la maîtrise du prana, l'énergie universelle, qu'il faut pouvoir transcender en soi, afin que vous deveniez un avec le tout. Voyez-vous, ce que les chrétiens appelleraient ici comment dompter le Saint-Esprit. Et que la manière de dompter ce Saint-Esprit passe par la culture et la mise en application des principes qui sont dans le livre des Galates, chapitre 5, du verset 16 jusqu'à 22. Il s'agit des 9 fruits de l'Esprit. La mise en application et la compréhension et l'alchimie, la chimie mystico-spirituelle de l'application de ce chapitre 5 de Galates va vous permettre, pour ceux qui sont dans le monde chrétien, va vous permettre donc de pouvoir dompter l'Esprit Saint. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, ce que vous appelez l'Esprit Saint chez vous, ce que nous appelons la force pranique, le prana, la force universelle, va finalement être acquise, va finalement contrôler votre divinité, va contrôler votre âme. Et quand vous avez atteint cette âme, et quand vous avez atteint ce degré, autant pour moi, vous verrez qu'il y a certains sacrifices qui vont vous être naturellement imposés par les maîtres invisibles. Et c'est ainsi qu'on dira Dieu vous parle.
Nous avons vu le cas, par exemple, du Saint-Augustisme, notre frère africain, qui a décidé de créer un monastère au sein de l'Église catholique. Ce monastère, pour certains, ça marchait très bien, certains prêtres se privaient de tout et se détachaient de tout. C'est-à-dire, il fallait se détacher complètement de la matière, se détacher du sexe, se détacher de tout, se priver de tout. Et finalement, par exemple, dans le cadre du yoga tibétain que je pratique, nous avons une technique qu'on appelle la technique de la destruction du désir. Désir sexuel, naturellement. C'est un sacrifice. Un sacrifice avec des conséquences, bien sûr, parce que quand vous atteindrez un certain niveau, lorsque les maîtres invisibles vont nous dire qu'il est grand temps, qu'on a besoin de vous, le temps presse. Car d'ici l'an 2050, beaucoup de choses vont se passer sur la Terre. Et nous aimerions qu'il y ait au moins 10, 100, 1000, 1 million d'élus qui puissent sensibiliser près de 6 milliards, 7 milliards d'habitants. Il faudrait que dans chaque continent, dans chaque pays, nous puissions trouver un élu, lequel élu va servir d'amont pour nous, parce que nous ne pouvons pas intervenir directement dans les affaires des hommes. Vous savez ce qui s'est passé en Assyrie, un seul ange qui était apparu, langage religieux, c'est-à-dire un maître invisible qui était apparu, ce mec a détruit 65 000 soldats en une nuit, un seul ange. C'est pour vous dire qu'ils sont d'une puissance inouïe, une puissance indescriptible. Voilà pourquoi ils insistent, ils passent par des personnes que nous appelons des élus, qu'on appelle des prophètes, ou je ne sais pas trop, des vrais. Je parle des vrais, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de bruit. On ne les verra pas vociférer dans les médias à gauche, à droite, et faire des prophéties qui sont fausses, et qu'à la fin on découvre que c'est faux. Ils ne font pas des prophéties en train de parler des affaires politiques ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le rôle d'un élu. Le rôle d'un élu, c'est de travailler sur soi-même d'abord. Et qu'en travaillant sur soi-même, ce travail de soi va permettre les autres d'en profiter, va permettre les autres d'avoir l'éveil de leur conscience. À travers les techniques et les connaissances que nous partageons, cela va favoriser que la communauté, que le peuple, que la conscience collective, d'abord d'un pays, d'un continent et de toute la planète, puisse s'élever afin de se rencontrer avec la grande conscience universelle. Laquelle grande conscience universelle fonctionne sur quatre principes que nous connaissons tous et que j'ai toujours répété. Il fonctionne sur l'amour, la puissance, la paix et la justice. Ces quatre grandes qualités et quatre grandes vertus du Dieu suprême, Teta Mungali Ponga Ponga, ces quatre grandes vertus, ce sont elles qui normalement fondent la fonctionnalité de tous les univers, y compris notre univers composé de 12 planètes, dont la planète Terre est la plus sale, malheureusement. Elle est la plus sale, pourquoi? Parce que c'est là que nous allons aborder le dernier aspect des sacrifices. Mais je n'ai pas encore fini avec le sacrifice, ce sacrifice spirituel, qui est très indispensable de comprendre surtout tous ceux qui sont sur la voie spirituelle. Et quand je parle de la voie spirituelle, qu'elle soit négro-africaine, qu'elle soit philosophale, philosophique, qu'elle soit maçonnique, qu'elle soit à morgue, rose-croix d'or, ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que toute voie qui permet à l'homme de se libérer des marasmes et des miasmes du bas astral, afin d'élever son âme à une dimension où il se connecte avec le tout et devient finalement un dieu au milieu des dieux. Et qu'il siège au conseil des dieux au cours des voyages astraux. Car c'est au cours de ces voyages astraux que nous nous retrouvons avec les nôtres, ce que j'appelle les maîtres invisibles, ce que les chrétiens, les religieux appellent les anges, les archanges. Des réunions se passent chaque nuit. Je vous signale que chaque trimestre, nous avons plus de 4 réunions auxquelles nous participons. Quand je parle auxquelles nous participons, c'est-à-dire que tous les vrais initiés du monde entier participent à cela. Et ça, tous devons le savoir. Quelle que soit l'obédience, on se retrouve. Tout comme sur Terre, il y a des conférences, n'est-ce pas? Du G28, du G2, du G4, je ne sais quoi. Les humains se retrouvent. L'UNESCO se retrouve. L'ONU se retrouve. Il y a des résolutions des conflits. Dans le monde mystico-spirituel également, dans le monde de reflet, dans le monde réel, où se trouve l'essence de tous les pouvoirs, nous nous retrouvons également. Donc il est très important de comprendre cette quatrième catégorie du sacrifice individuel ou le sacrifice spirituel. Ce sacrifice spirituel, comme je disais, va entraîner également parfois un impact malheureux au sein de votre famille. Parce qu'à un certain degré, il arrivera que le sexe ne vous dit plus rien. Donc, vous allez créer ce qu'on appelle la destruction du désir. Quel que soit l'âge, que vous ayez 40 ans, que vous ayez 60 ans. Et cette destruction du désir fera en sorte qu'il faut parler à votre épouse. Il faut lui parler calmement, lui dire, chérie,
Là, j'atteins une autre dimension. Ça, c'est un sacrifice. Parce que si cette femme vous a aimé tout au long de votre vie, elle a passé beaucoup de temps avec vous, et que voilà, vous, un bon matin, vous dites que maintenant, j'ai tué le désir. Donc, sois libre d'aller prendre un autre homme. Vous le dites sans animosité, avec calme et gentillesse. Même si vous avez fait 50 ans ensemble, la femme doit comprendre cela. Ou bien l'homme doit le comprendre. C'est pour cette raison, vous verrez que la plupart des grands maîtres des temps anciens, que ce soit à l'époque avant le Jésus chrétien, ou à l'époque, de l'Antiquité et de l'Égypte antique, vous verrez que la plupart des gens, ils ont fait ce que je vous dis. Moïse, Moussaou, il l'a fait. Pendant 40 ans, il n'avait pas de femme. Quand il quitte l'Égypte, il avait 40 ans. Je vous informe qu'il était toujours vierge, il ne connaissait pas les femmes. Et là, il va partir jusqu'à l'âge de 80 ans. Il va rentrer dans la grande cabale mystico-spirituelle, c'est-à-dire la grande connaissance universelle des principes de comment l'univers fonctionne et comment manipuler toutes les forces auprès de son beau-père Jethro en Mésopotamie. Donc, ce n'est qu'à l'âge de 80 ans qu'il décide enfin de se marier dans sa vie. Et c'est à l'âge de 20 ans qu'il va nous quitter. Donc, il a su profiter de la vie que pendant 40 ans. Donc, les premiers 40 ans, c'était de le préparer. Il atteint le niveau de prêtre au niveau de l'Égypte. Les autres 40 ans, il fallait encore qu'il aille au-delà de prêtre pour pouvoir avoir le grade supérieur de maître de maître. Et lorsque il atteint 80 ans, nous savons la suite. Sauf que l'histoire a été un peu tronquée par rapport à l'Égypte. Donc, ce quatrième degré de sacrifice est très important. C'est celui-là où tout initié, normalement, à un moment donné, est appelé à faire des sacrifices. Et ce sacrifice, c'est pour le bien du peuple. Parce que quand vous allez couper le désir sexuel, pourquoi? Mais parce que justement, comme je l'ai toujours enseigné, et je ne suis pas le seul, vous allez étudier n'importe quelle école, faites des recherches. Le sexe, c'est la vie. Le sexe aussi, c'est la mort. À travers le sexe, on peut vous tuer. À travers le sexe, on peut vous donner la vie. Voilà pourquoi il y a des rites chez nous, principalement au Gabon, où vous pouvez avoir toute votre vie. Votre vie peut être protégée par le sexe d'une femme. Votre vie peut également avoir la mort. Votre esprit peut mourir à travers le sexe d'une femme. Voilà pourquoi nous considérons que la maîtrise de cet organe est très importante. Et c'est cet organe d'ailleurs que nous avons maintenant abordé, et j'en aborde maintenant, le troisième ou la troisième forme de sacrifice, qui est en fait le point de mire de l'enseignement d'aujourd'hui. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure dans le dictionnaire de Oxford que j'ai lu avec vous, que les sacrifices, c'est cet acte que l'homme fait pour pouvoir découper un animal ou un être humain et l'offrir au Dieu. C'est ça. Est-ce que ce sacrifice-là, c'est un sacrifice aussi important? Mais à qui profite ce sacrifice? Je répondrai à cette question. Avant de répondre donc à cette question, qui est la clé de mire de notre enseignement, il faut retenir que cette forme de sacrifice n'est pas une forme de sacrifice qui profite vraiment à toute l'humanité. Car quand vous sacrifiez des animaux, quand vous sacrifiez un être humain sous la forme de crime rituel ou quoi que ce soit, ce n'est pas pour le peuple, ce n'est pas pour la communauté, ce n'est pas pour la collectivité, ce n'est pas pour la conscience collective que vous le faites. Mais vous le faites seulement pour vous-même, pour votre propre égoïsme, pour votre propre élévation matérielle. Et ça, je vous signale que le sacrifice avec mort d'homme ou avec mort d'animaux, ce n'est pas un sacrifice qui profite une fois de plus à la communauté. Cela profite uniquement à vous et à votre famille. Donc, c'est un sacrifice que je peux appeler un sacrifice plutôt égoïste. Puis, pourquoi? Il est égoïste parce que lorsque vous êtes allé voir un expert en la matière, moi qui vous parle, j'ai appris cela. Tout mage, tout homme spirituel, tout initié des grands mystères, à la maîtrise du bien et du mal, connaît toute forme de magie à travers la talismanie pratique, puisque nous fabriquons des talismans. Et quand nous fabriquons ces talismans fonctionnent sur les lois universelles, fonctionnent sur les lois naturelles et surnaturelles. Naturelles d'abord parce que nous avons besoin de certaines herbes qui sont considérées comme des condensateurs. Nous avons besoin de certains arbres qui sont considérés également comme des condensateurs, qui peuvent permettre la circulation de l'énergie cosmique universelle. Donc nous avons besoin des condensateurs qui sont pris à partir de la mère nature. Mais qui
lesquels condensateurs qui vont permettre la circulation libre des forces cosmiques invisibles. Mais ces forces cosmiques invisibles sont du règne extérieur à ces plantes. Donc, il nous faut certaines forces. Ces forces, nous les prenons à travers certains règnes. Et comme vous le savez, les cinq règnes que nous connaissons tous, le règne humain, règne animal, règne végétal, règne minéral et le règne divin. Tous ces cinq règnes, il y a des entités. Nous, au niveau du règne humain, nous avons des entités. Ce sont nos ancêtres. Lesquels ancêtres nous nous connectons auprès d'eux à travers notre cordon ombilical, par système adénique. Voilà pourquoi quand vous allez voir un médecin, on va vous faire des tests d'ADN pour savoir si la maladie là que vous développez, en fait, vous l'avez reçue de votre chaîne ancestrale. Donc, la chaîne ancestrale veut dire seulement le cordon ombilical ancestral. Donc, cela est une vérité scientifique évidente. Le règne humain, là on a fini le règne animal. À travers le règne animal, naturellement, nous avons besoin, dans certains rites bien appropriés, où il faut forcément le sacrifice animal. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres le faisaient. Je vous amène à Mésopotamie. Moïse, dans la pratique des rituels, si vous lisez le livre de Lévitique, on va vous décrire la plupart des sacrifices animaux qui se faisaient. Ces sacrifices des animaux qui se faisaient avaient pour but, selon la catégorie des péchés, selon la catégorie des erreurs que vous avez commises au sein de la société, selon la violation des lois, chaque loi qui était violée était sanctionnée par une punition. Et pour éviter cette punition éventuelle, il y avait donc des sacrifices appropriés qui étaient réglementés dans le grand livre de la loi. Et c'était le chef des prêtres appelé Aaron qui était le maître au contrôle de cela. Et ses enfants travaillaient au sein des saints. Voilà comment cette partie des sacrifices était autorisée la nuit des temps, la nuit des temps. Jusqu'aujourd'hui, il y a des rites qui continuent à se manifester dans ce sens. Dans nos sociétés secrètes, africaines, négro-africaines ou encore depuis l'Égypte antique, le sacrifice des animaux était, à certaines circonstances, autorisé, car les dieux le voulaient bien. Mais faut-il le rappeler qu'en réalité, le fameux veau d'or, le dieu Baal, selon les traditions d'un coin de la terre à un autre, les sacrifices qui leur étaient apportés, c'était les sacrifices d'animaux. Mais les dieux Baal ne se contentaient pas seulement des sacrifices d'animaux, car les nouveaux-nés étaient sacrifiés au dieu Baal. Vous pouvez vérifier cette histoire dans le livre des Chroniques. C'est un livre qui a été accepté et compilé parmi les 66 livres qui ont été arrêtés sur les 107. Bible incomplète, tronquée en 325. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Donc dans le livre des Chroniques, on vous expliquera très bien les sacrifices qui étaient à l'époque offerts au dieu Baal. C'était des nouveaux-nés, des enfants. Aujourd'hui également, dans certaines contrées de la terre, il y a des gens qui le font. Mais ces sacrifices ont-ils profit à qui? Ces sacrifices ne profitent qu'aux auteurs, mais ne profitent point à la communauté. Les sacrifices d'animaux, ça dépend des niveaux. Mais compte tenu du temps, je ne veux pas trop développer cela, ça peut faire l'objet d'un autre enseignement. C'est-à-dire, les sacrifices d'animaux, est-ce que réellement on en a besoin? Pour un certain niveau de conscience, oui. Mais à d'autres niveaux de conscience, non. Au niveau spirituel où je suis, à mon niveau de conscience, non, je n'ai pas besoin de sacrifice d'animaux. Certains d'entre vous en avaient besoin. Car ce sacrifice d'animaux, comme nous l'avons lu dans le dictionnaire, elles sont là pour intercéder auprès des dieux. Auprès du Dieu suprême qui, depuis la nuit des temps, l'avait autorisé. À un certain niveau donc spirituel, que je peux appeler au niveau de la troisième ou à la troisième dimension mystico-spirituelle, on peut peut-être l'accepter. Puisque même dans nos traditions africaines, on parlerait du Bouiti, d'Injobi, il y a certains sacrifices qu'on utilise le système végétal. C'est-à-dire, il y a des feuilles que nous prenons, que nous brûlons. C'est aussi une forme de sacrifice. Car le règne végétal, ne l'oubliez pas, est également régi par des entités, c'est-à-dire des esprits, des génies. Et c'est ainsi que ces génies vous demanderont de pouvoir brûler ces feuilles-là. Ou on fera des scarifications sur le corps de l'individu, c'est-à-dire on va blesser le dos, la main, le cou, et on va insérer ceci sous forme de poudre, en vue de servir de protection ou en vue de servir de bonheur.
Mais ces poudres-là sont en connexion avec les entités qui sont auteurs de cette belle plante et qui sont gardiens de ces plantes. À chaque règne, donc, il y a des sacrifices qui sont donnés à ces entités. Maintenant, les sacrifices des animaux, comme je disais, les gens le font jusqu'à nos jours. Est-ce que ces sacrifices des animaux, on doit les condamner? Je dirais dans une certaine mesure, sans pourtant juger. Non, puisque je vous ai dit, à mon niveau, je ne le fais plus. Par contre, s'il y a quelqu'un qui demande qu'on le lui fasse et que le rite exige qu'on lui fasse ce genre de sacrifice, ce sera fait. Ce sacrifice donc va profiter à qui? Ce sacrifice d'animal va profiter normalement au demandeur, à l'auteur qui a demandé les services. Parce qu'il y a certains rites qui exigent l'immolation d'un animal en vue de pouvoir faire quelque chose. Il faudrait que cet animal laisse couler le sang et que ce sang-là va servir pour pouvoir nourrir les entités de l'au-delà. Parce que le sang, comme je vous l'ai toujours dit dans plusieurs vidéos, depuis près de 5 ans, je ne fais que vous le répéter, que le sang est une substance chimique indispensable pour la survie des entités de l'au-delà. Les démons, les génies de l'au-delà, vous pouvez appeler ça démons ou anges, ils ont toujours besoin du sang. Ils en ont besoin. Maintenant, l'histoire que les chrétiens, par l'Empire romain, parle de Jésus sur la croix et qu'il fallait forcément, selon Jean chapitre 3, verset 16, Dieu aima tellement le monde et qu'il sacrifia son propre fils. Ce sacrifice-là, ça répond toujours aux mêmes règles, qu'à un moment donné, on a besoin de pouvoir le faire. Malheureusement, au sein de certaines loges, au sein de certains milieux où j'ai été initié, on me dira que tout comme Dieu sacrifia son fils, eh bien, il en est de même pour nous. Nous devons sacrifier parfois nos parents. Je rejette cela avec le revers de la main. Loin de moi. Je n'accepterai point cela. Parce que cela n'est pas normal. On n'a pas le droit de priver d'un être humain de sa vie pour soi-disant créer un sacrifice qui est juste pour votre propre bien égoïste. Sacrifice d'animaux, je suis neutre. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Ça dépend de votre état de conscience. L'état de conscience ou le niveau spirituel que vous avez atteint. Si vous êtes à un niveau où les grands maîtres invisibles vous disent ceci n'est plus nécessaire. Si vous êtes arrivé au niveau où tout ce que vous pensez, vous l'obtenez, tout ce que vous désirez, vous l'avez. En ce moment, on n'a plus besoin de ce sacrifice. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que vous voulez maintenant avancer vers l'immortalité. Vous avez tellement, vous êtes conscient de vos différentes incubations mystico-spirituelles et incarnatoires, donc il n'est plus question pour vous de retarder votre vie à travers des sacrifices d'animaux. Parce que là, je vous amène au huitième degré mystique. Sacrifier un animal pour un maître spirituel n'est pas bon. Cela va bloquer votre évolution. Parce que vous empêchez l'âme de cet animal-là d'évoluer et d'aller dans son royaume. Voyez-vous, le sang que vous versez, c'est en fait son énergie, c'est son esprit. C'est son esprit donc qui va nourrir les entités du bas astral qui vont être à vos services. Je suis neutre une fois de plus. Est-ce que je suis là pour condamner ceux qui le font? Non. Puisque vous irez voir nos frères marabouts, ils vont vous exiger des sacrifices d'animaux. Et d'ailleurs, c'est chez nos frères marabouts, que ce soit du vaudou béninois où j'étais initié, vaudou haïtien où j'étais initié également, il y a beaucoup de sacrifices qui sont demandés. Quelqu'un me posera la question, mais les magies des Indes, est-ce qu'on demande des sacrifices? Toute forme de magie en Inde, où j'ai été initié dans près de quatre de leurs milieux, j'ai fait la plus haute magie indienne qu'on appelle la magie cérémoniale. En fait, c'est celle-là où on vous envoie des objets par voie mystique. On vous envoie des objets sous votre matelas, ou vous trouverez ça directement sous le chevet de votre lit, ou encore directement dans votre voiture, quand vous allez donner l'immatriculation de votre voiture. Pourquoi? Parce qu'il y a une entité qui va voyager dans l'espace et le temps, depuis le grand temple de Calcutta, ou encore depuis Mumbai, qui amènera ça directement dans votre maison. Là, cet esprit qui amène ça est au service de ces gens-là. Voyez-vous? Alors, dans ce cas précis, à un moment donné, ces esprits-là qui voyagent dans l'espace et le temps, c'est malheureusement pas comme certaines autres sociétés secrètes font. C'est-à-dire, cet esprit qui vient, en fait, c'est une âme désincarnée. C'est une âme comme votre humble serviteur. Si, à ma mort, si je suis toujours membre de ces milieux-là, à ma mort, on peut demander mes services, travailler pour ces mecs-là, et apporter et faire ce genre de transactions. C'est différent des démons. L'âme désincarnée d'un individu n'est pas un démon, mais il peut par confusion être considéré comme des esprits du bas astral.
comme je vous l'ai dit dans les enseignements précédents, que tout être humain qui n'a pas évolué, qui n'a pas voulu changer dans sa vie, mais qui continue à partager dans le mal, à sacrifier, puisque je veux mettre l'accent sur les sacrifices, je n'ai pas encore mis l'accent sur les sacrifices humains avec les conséquences que cela entraîne, eh bien, ces animaux que vous sacrifiez également vous rendaient mauvais service. En Inde, par contre, pour répondre à cette question, est-ce qu'en Inde, les magies qu'on pratique là-bas ont fait des sacrifices? La réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Mais parce que justement, eux, ils n'ont pas cet esprit-là d'aller sacrifier des êtres humains. Les grands maîtres que vous voyez errer ça et là, qu'on appelle des ermites, les ermites, ou comment ça, ils ont un nom là. Ils sont dans les montagnes, ils passent jusqu'à 50 ans, 100 ans, ils ne mangent pas. Ils ne vivent que du prana. Ils ont sacrifié leur vie. Ils ont sacrifié tout. Ils ont sacrifié leur famille. Ils vivent loin. Ces mecs-là, quand ils meurent, comme on dit, vous ne retrouverez même pas leur corps. Si vous avez la chance de trouver leur corps, ces corps-là sont automatiquement brûlés et on jette les cendres dans le lac Nganja, qui est un lac sacré. Et je vous prie, quand vous aurez des moyens, de faire un pèlerinage, j'ai été deux fois. C'est très important. Donc, ces mecs-là, ces esprits-là sont à la disposition. Lorsque vous commandez un article auprès de la grande confrérie, par exemple, des hautes magies de l'Inde, eh bien, ce sont ces esprits de ces mecs-là qui travailleront pour vous. Vous n'avez pas sacrifié quelqu'un. Maintenant, on parle de sacrifices dans les magies indiennes. Pourquoi? Mais parce qu'il y a certaines personnes, ils voient, ils ont commandé ces articles-là. Eh bien, ils ont leur propre pratique à eux. Et par confusion, la pratique de l'Inde n'est qu'une couverture, n'est qu'un parapluie, mais en réalité, en dessous de ça, ils ont leur propre pratique sorcière où ils ont déjà sacrifié des gens. Et par confusion, on dit que les magies indiennes sacrifient. J'ai dit avec autorité que non. J'en sais quelque chose puisque c'est les pratiques indiennes qui ont fait de moi ce que je suis. Ce que je suis aujourd'hui, je vous ai toujours dit cela, le yoga vient de l'Inde. Le pranayama yoga, hatha yoga, jnana yoga, bhakti yoga, mudra yoga, Asana Yoga, Sata Sutra Yoga, ainsi de suite, Kama Sutra Yoga ou Tantra Yoga, toutes ces formes de yoga là, c'était des grands maîtres qui, à la fin, se sont dématérialisés et ont maîtrisé, n'est-ce pas, ce que je viens de vous dire. Ils ont détruit et tué leurs désirs sexuels. Ils ont réussi à transcender la matière. Certains d'entre eux même flottent dans les airs, ils méditent, ils se lèvent dans les airs. Vous, si vous partez dans certains milieux de l'Inde, vous verrez, ils font ça. Ce n'est pas seulement l'Inde, hein. Même au Brésil, j'en ai vu. Mais en Inde, c'est beaucoup plus populaire parce que c'est là-bas qu'ils ont développé beaucoup cette science-là. Surtout du côté du nord de l'Inde. Et vous savez, pour votre information, le côté du nord de l'Inde, c'est là-bas où ont afflué beaucoup des Noirs qui partaient de l'Afrique, nos frères africains. Donc ce sont nos frères africains, en fait, qui vivent là-bas, qui ont bien maîtrisé cette science-là, de la lévitation et autres. Sacrifice maintenant humain. À qui profite ce sacrifice? C'est la même réponse. Vous n'avez pas le droit, sous une quelconque raison, de pouvoir sacrifier des enfants à un dieu. Et malheureusement, ces pratiques continuent à se faire sous le soleil. Souvenez-vous, le dieu Baal. Et même en Égypte, il y avait certains dieux égyptiens qui demandaient des sacrifices du premier-né. Souvenez-vous, ça ne vous rappelle pas l'histoire de quelqu'un à l'époque de l'histoire autour de Moïse, où on demandait de tuer tous les premiers-nés, uniquement garçons. Ce n'était pas une forme de fantasme sexuel à l'égard des femmes. Ce n'était pas un vice quelconque. Mais ces garçons-là étaient sacrifiés à des dieux. Donc les premiers-nés garçons étaient sacrifiés à des dieux. Aujourd'hui, dans certains pays, à travers le monde, les mêmes sacrifices continuent. Quelle que soit la catégorie d'individus, que ce soit des artistes, que ce soit des commerçants, que ce soit des hommes politiques, certains rentrent là-dedans par erreur. Pourquoi par erreur? Parce qu'ils n'ont pas la véritable connaissance. Ou ils rentrent par ignorance. Et on leur demande des sacrifices. Les sacrifices donc humains ne profitent qu'aux individus. Ça n'a rien à voir avec le bien de la communauté. Maintenant, à la réponse à cette question, à qui profite ceci? Mais ça profite à ces hommes-là, hommes et femmes qui décident de le faire. Et quand ça profite, puisque ça profite à eux seuls, quel est leur sort? Eh bien, leur sort, je ne viendrai pas les juger. Les chrétiens diront qu'ils iront droit en enfer, mais moi, je n'irai pas parler, je n'irai pas là-bas. Je dirai tout simplement que leur sort est entre leurs mains. La loi du karma ne triche jamais. La loi du karma, elle est là. Et quiconque donc fait un crime rituel, c'est l'expression qui est utilisée dans certains pays, on prend le corps d'un individu,
d'une femme, surtout les femmes, elles sont beaucoup plus victimes. On prend leur partie du corps et on les sacrifie et on les offre au dieu Baal. En fait, c'est cela. Le dieu Baal moderne, modèle, des temps modernes, c'est le même. Comme on le dit, hein, les dieux sont tous les mêmes, hein, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Les dieux sont là, ils se nourrissent justement de ces énergies du bas astral. Ils se nourrissent également pour ceux qui vont dans les églises et les religions, puisque le phénomène religieux, ce sont des phénomènes égrégoriques. Donc ces égrégores qui sont des entités se nourrissent des versets bibliques, se nourrissent du bruit du pasteur, se nourrissent des dîmes que vous donnez, se nourrissent des bêtises que ces membres font et les ouailles, se nourrissent des sacrifices ou des rites qui sont faits. Donc ces égrégores-là, c'est des entités réelles qui peuplent malheureusement le monde astral. Dans le plan éthérique, vous trouverez toutes ces forces. Quand vous aurez bien maîtrisé la sortie astrale, vous serez surpris. Vous trouverez les égrégores des chrétiens, les égrégores des musulmans, les égrégores des bouddhistes. Tout ça là, ce sont des forces égrégoriques. Mais c'est loin de la réalité du Dieu suprême. Car le Dieu suprême n'a pas besoin de toutes ces histoires-là. Vous comprenez? Donc, faites très 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 attention. Maintenant, malheureusement, il y a certains frères qui également m'ont posé la question, est-ce qu'il existe des sacrifices au sein des loges maçonniques? Est-ce qu'il existe des sacrifices au sein des loges à morgue, disons au sein de la Rose-Croix à morgue? Parce que la Rose-Croix à morgue, elle est la plus populaire. Hein? C'est la plus populaire, même ici aux États-Unis. C'est la plus populaire, en Afrique, c'est la plus populaire des rose-croix. Parce qu'il y en a plusieurs formes de rose-croix, je ne sais pas si vous le saviez. Mais la rose-croix morte, c'est elle qui est beaucoup plus prisée. Pourquoi? Parce que la rose-croix d'or, là, elle est compliquée. J'ai pratiqué ça, je vous avais dit, j'en fais un témoignage. Et c'est celle-là que j'aime bien. La rose-croix d'or, elle est beaucoup plus sur la gnose, elle est beaucoup plus sur la compréhension de l'homme, le monde de la dialectique, hein, les mondes des reflets, hein, les mondes matériels, les mondes d'illusions. Et c'est à cause de cette rose-croix d'or que j'ai compris qu'il ne faut même pas manger la viande. Il ne faut pas manger la viande rouge. Il faut, en un mot, laisser les animaux loin de votre vie. C'est ainsi que vous comprendrez mieux la vie. Bon, donc, la rose-croix à morgue, est-ce qu'ils font des sacrifices? À l'origine, non. Ici, aux États-Unis, puisque je vous ai, dans une vidéo, je vous ai monté ma carte de membre. J'ai été membre avec eux depuis 2007, jusqu'à ce que je sois devenu maître. Notre siège se trouve en Californie. J'ai respecté tous les degrés initiatiques que vous recevez chez vous à domicile et que vous recevez également au temple. J'ai assisté fidèlement à toutes les réunions, à toutes les grandes conférences. Je suis du côté Midwest. Chez nous, au côté de Midwest, je vous en parle. Nous avons la plus grande loge qui se trouve chez nous ici. Et également, ça se trouve du côté de Colorado, le grand temple de nos frères amérindiens. Je n'ai jamais nullement vu quelqu'un qu'on a sacrifié. J'ai approché tous les grands maîtres de tous les milieux de Amorque des États-Unis au cours des grandes conférences qu'on se retrouve, Midwest and East, quand on se tourne à des grandes conférences, il n'y est nullement question de faire mentionner du mot sacrifice. Je suis rentré dans les méandres, tous les documents, on n'en fait aucunement. D'accord? Donc, la rose-croix Amorque, qui est la plus prisée à travers le monde, je ne connais aucun sacrifice humain là-dedans. Le seul sacrifice qu'on vous demande, c'est le travail de soi. Oui, il y a des sacrifices qu'on vous demandera vous-même, à un certain niveau. Il y a des sacrifices. Et l'un des sacrifices, d'ailleurs, qui fait peur aux gens, c'est le sacrifice de tuer le désir sexuel. Oui. C'est pour cela, vous verrez, il y a certains frères qui sont dans ces milieux-là, dans ces loges, qui, à un moment donné, se détachent des femmes. Et puis, on les traite des sorciers. Mais non, c'est parce qu'ils ont atteint une autre dimension. Les loges maçonniques, est-ce que on sacrifie les gens? À ma connaissance, de ces loges où je suis rentré aux États-Unis, je vous ai dit, en 1999, jusqu'à ce jour, j'ai cherché, rassurez-vous, puisque je fais un enseignement sur les loges au niveau de l'Afrique, qu'est-ce qu'ils font et tout, mais là, je vous parle au niveau des États-Unis. J'ai fouillé, j'ai cherché, nullement, aucun document ne me dit qu'il faut sacrifier quelqu'un en vue d'obtenir telle chose. Mais ce que je sais, nous avons des fratères qui sont membres d'autres milieux, tels que dans le milieu luciférien. D'accord? Je vous avais dit, le siège mondial, le grand temple se trouve ici, dans l'État de l'Ohio, dans une ville, quelque part. J'ai cité la ville. Par contre, le siège administratif se trouve à New York. Les luciférien existent. Ils boivent le sang humain. Ils ont leur réseau. Comment ils ont ce sang-là? Alors, si vous avez un membre qui est maçon
et qui est luciférien. Mais que pensez-vous? Et que là, au départ, on l'a identifié comme un maçon, mais entre-temps, il rentre dans ces histoires-là. On dira quoi? On dira que les francs-maçons font des sacrifices. Ben, allons-y en Afrique. Et comme vous le savez, beaucoup de loges en Afrique. La loge, c'est une chambre secrète. Si, par exemple, moi, j'aurais continué, par exemple, avec les loges maçonniques américaines, si j'aurais continué avec la maçonnerie américaine, et si j'étais vraiment trop lancé là-dedans, hein? Comme d'autres l'ont fait. Je connais un frère qui est allé ouvrir une grande loge au Ghana. Alors, maintenant, moi, je vais partir au Gabon, chez moi où je suis né, je vais ouvrir ma propre loge. Sachez que la loge fait partie de la grande pyramide maçonnique. Et que la loge, vous pouvez créer votre propre loge tant que vous êtes maître. Bon, moi, j'ai vu certains qui ne sont même pas maîtres, ils ont créé leur loge. Mais en réalité, il faut être maître. Il faut avoir maîtrisé tous les 33 degrés de la loge maçonnique universelle. Une fois que vous avez maîtrisé cela et que vous partez à votre pays, vous ouvrez votre loge. Mais la création de votre loge, moi, par exemple, si je le répète, que si j'aurais décidé d'ouvrir ma loge, cette loge va être influencée par mes philosophies, par exemple, indiennes, de ce que j'ai étudié en Inde, de ce que j'ai étudié dans le Bouddhisme, de ce que j'ai étudié ça et là. Je fais un syncrétisme absolu et je crée ma loge et je donne un nom. Mais je n'accepterai qu'il n'y ait aucun sacrifice. Mais tout comme certaines personnes qui ont créé certaines loges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont amené des pratiques sorcières de chez eux, les ont insérées dans leur loge, puisque dans les préambules de la maçonnerie, on dit que vous pouvez, chaque loge a ses réalités et a ses spécificités en fonction des croyances du peuple. La maçonnerie s'adapte. Et quand la maçonnerie s'adapte, ça veut dire que cette loge-là peut amener des rites qui n'ont rien à voir avec la maçonnerie originale. Alors, maintenant à cette question, est-ce que les gens font des sacrifices dans les loges maçonniques et dans les mouvements à morgue? La réponse est oui. Dans certains cas, oui. Mais à l'origine, non. Je suis honnête avec vous. Aux États-Unis, je n'ai jamais vu cela. Les seuls crimes que nous assistons tous les jours, ce sont les crimes souvent qui sont des comptes à rebours, des comptes à rendre, des règlements de comptes, on appelle ça. Et ces règlements de comptes, par exemple, si vous êtes un frère qui avait fait du mal à l'autre frère, ben, le frère, il a les moyens, il sera obligé de voir quelqu'un d'autre, un peu comme l'histoire de Jacques l'Éventreur. Voyez-vous, ce fameux Jacques l'Éventreur n'a jamais été un maçon. Non, c'est un mec qui avait été utilisé pour régler des comptes à quelqu'un. Mais dans les loges maçonniques, comme la plupart des gens, c'est des gens qui ont des moyens, eh bien maintenant, moi je vais régler le compte à mon frère Tartampion, qui, pour une affaire de fesses, ben, je vais régler son compte. Ou bien, pour une affaire de sous, la fraternité Frater, on lui a donné un prêt de 50 milliards, mais il nous a fait honte parce qu'il n'a pas pu construire les écoles qu'on lui a demandé de construire, il n'a pas su réaliser les projets, et on lui a donné tout cet argent-là. Eh bien, écoutez, on va lui faire du mal. Donc, dans les loges maçonniques, je ne vous le cache pas, ça existe, nous avons des rites. Ces rites-là, quand on les fait jour et nuit, eh bien, le frère en question peut avoir une paralysie totale ou bien il peut même mourir. Pour punir le frère, on peut ne pas le tuer, mais on le paralyse. Il reste toute sa vie à souffrir comme ça. Donc, c'est un avertissement. Ça existe. Maintenant, est-ce que les loges maçonniques sont des loges, des milieux spirituels? Non. La réponse est non. Les questions là me reviennent à tout chaque fois. Les loges maçonniques, il n'y a rien de spirituel. Mais, il y a certains rites qui ont été empruntés de l'hermétisme. Ils aiment utiliser le mot l'hermétisme. Mais en d'autres mots, en d'autres termes, ce sont des pratiques qui ont été puisées depuis la nuit des temps, au niveau de l'Égypte antique. C'est ainsi, par exemple, au niveau de la Rose-Croix, eh bien, nous avons un rite du tracé de la croix que nous faisons. Mais je ne vais pas le démontrer ici au public. Vous pouvez faire ce tracé-là, n'est-ce pas? Et puis, vous mettez le doigt au centre. Vous tracez, vous mettez le doigt au centre. Je l'ai déjà démontré dans une vidéo, mais on m'a interdit de ne plus répéter. Ce signe-là, par exemple, il vient purement et simplement de l'Égypte antique. Et je l'enseigne dans certains milieux secrets avec des frères et sœurs. Dans le rite d'Isis et d'Osiris, le même rite est utilisé. Donc, il a été volé et introduit dans la Rose-Croix. À Morque, bien sûr. Voilà pourquoi Rose-Croix à Morque veut dire Ancient and Mystic Order. Hein? L'ordre ancien et mystique rosicrucienne. C'est pourquoi on dit ordre ancien, c'est parce qu'ils ont pris cela, soi-disant, que ça venait d'Afrique. Non, ils ont volé les rites de chez nous. La même chose avec les loges maçonniques. Le rite qui est utilisé, bon, par la plupart des grandes loges, le rite qui est le rite maître de toutes les loges maçonniques, c'est le rite écossais.
Mais ce rite écossais, allez-y savoir, il paraît que c'était un descendant de Jésus qui aurait fui, qui est parti en Écosse, il a amené ceci, cela. Ça, c'est l'autre version. Mais la version que je connais, c'est que ce sont des rites purement kabbalistiques qui ont été introduits là-dedans. Donc, toute loge maçonnique, il y a un rite que tous font sur toute la planète. Ce rite-là n'a pas été créé par des maçons, mais il a été pris quelque part. Et ça, c'est le seul aspect que je peux dire de spirituel. Et c'est avec ce rite que vous êtes capable de faire beaucoup de merveilles. D'accord? C'est un rite de reconnaissance. Maintenant, le reste n'est que symbolique. Le langage, le salut, les messages, les mots qu'on souffle au frère à l'oreille, ainsi de suite. D'accord? Lorsque deux frères se retrouvent, la manière de s'asseoir, de se serrer les mains, les mots qu'on se dit à l'oreille, c'est ça. Ça, ce n'est que symbolique. Ça n'a rien à voir de spirituel. Ça, c'est des symboles, c'est des secrets à eux. C'est le code de communication, on appelle ça. Ça rentre dans les règles des préambules de la maçonnerie. Bon, bref, je ne fais que répondre aux questions qui m'ont été posées dans mes courriers privés. Donc, pour conclure ceci, que les sacrifices, il faut d'abord catégoriser le tout, et je vous ai catégorisé ça sous forme 5 catégories de sacrifices, de comprendre le fond fondé, le côté fondé même de ces sacrifices. Oui, dans la vie, tout est sacrifice, de manière générale, et que tout sacrifice doit être fait soit pour votre bien et le bien des autres, le bonheur des uns et des autres. Mais malheureusement, la majorité des sacrifices que nous voyons aujourd'hui, où on sacrifie des humains, on sacrifie des animaux, ça, c'est des sacrifices purement égoïstes pour les biens des individus qui le font. Je ne les juge pas sur ce qu'ils font. Si eux, en faisant ce sacrifice, ils pensent qu'ils font du bien pour leur famille, ça n'engage que eux. Mais en réalité, ça profite qu'à ceux-là. Ça ne vous profite pas, ça ne me profite pas non plus, ça ne profite pas aux populations, ça ne profite pas à la communauté. Conséquence, selon les lois cosmiques universelles, il y a des lois karmiques qui sont là. La loi du karma n'est pas un enfer où on va vous brûler, mais comme je l'ai dit tantôt au dernier point évoqué, par exemple au cas de certaines loges, eh bien, lorsque le frère ne respecte pas les principes immuables de la fraternité, il y a la punition. Et comme on le fait chez les témoins de Jéhovah, tout comme dans d'autres communautés religieuses, on vous punit. On peut vous mettre sous restriction, ne pas parler, ou bien on peut vous exclure, personne n'a le droit de vous saluer. Ça se passe de la même manière, mais sous une autre forme, chez les francs-maçons. On va vous punir, mais mystiquement. Vous pouvez être paralysé ou bien vous êtes impuissant pour le reste de votre vie. Seulement parce que vous n'avez pas tenu aux paroles et au serment. Parce que quand vous prêtez serment, il faut le retenir. Que quand vous rentrez dans toute loge, quand vous rentrez dans toute société secrète, quand vous rentrez dans n'importe quelle religion, vous devez respecter le serment que vous avez prêté. Le manque de respect de ce serment peut vous amener loin et à la mort. Nous avons vu des cas de certains pays qui n'ont pas respecté ce code de conduite dans les préambules maçonniques et que les sous, des milliers de milliards qui avaient été donnés à ce président n'a pas voulu respecter. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils étaient obligés. Un, ils l'ont enlevé de la loge maçonnique. Deux, ils ont coupé les vivres pour ce pays-là. Et ce pays-là, je vous dis, a passé des moments difficiles. Je ne vais pas citer le nom du pays, mais je vous dis que jusqu'à ce jour, ce moment passe, ce pays-là passe des moments infernaux. Et pourtant, c'est un pays qui a toutes les ressources nécessaires, mais c'est dommage. Parce que les frères, vous savez, les loges maçonniques contrôlent le monde entier, ça, ce n'est secret de personne. Du point de vue financier, la Banque mondiale, le FMI, tous ces mecs qui sont là-bas, c'est comme cela. Et ce n'est pas aujourd'hui, puisque quelqu'un m'a posé la question, quelle est la relation entre les Templiers de l'Ordre, la franc-maçonnerie et d'autres fraternités. Mais il y a une grande relation, parce que les Templiers de l'Ordre, je suis également membre, hein, je vous informe, j'ai été initié dans l'ordre des Templiers en France, auprès d'un frère qui est membre de c'est un frère membre de l'OSMI qui m'a recommandé l'ordre des Templiers. Et donc cet ordre des Templiers, ils n'ont rien de spécial, mais il y a des choses que je ne peux pas en parler ici. Ce sont nos frères donc de l'ordre des Templiers, en fait, qui avaient commencé les transactions bancaires. On nous aurait dit quelque part, comme le disent dans les vidéos, les gens racontent trop des choses que sur l'ordre des Templiers, ils auraient pris la tête d'Hérodie. Hérodie aurait demandé la tête de Jean le Baptiste, et que c'est cette tête qui devint plus tard le Graal, et que voilà comment, dans l'ordre des Templiers, on sacrifie des gens, n'importe quoi. Ici, on les appelle des Knights Templars. Vous allez vérifier. Moi, je suis avec eux ici, je les fréquente. Quand je parlais de ça, ils ont même rigolé, dit, mais les gens racontent trop de conneries. La seule chose que je sais des Templiers de l'ordre,
C'est des gars qui maîtrisent la finance. Et c'est à cause d'eux que les premières banques ont été créées. Et ces mecs-là ont été tués. La plupart des ordres des Templiers, des grands maîtres, ils ont été tués à une grande guerre. Lisez cela dans l'histoire de la Révolution française, vous apprendrez beaucoup de choses. Et que beaucoup, finalement, ont ressurgi sous la forme de la maçonnerie aujourd'hui. Et les maçons, vous savez, ce sont eux qui contrôlent l'économie mondiale. C'est tout ce que je peux vous dire d'eux. Et ce que je sais aussi, qu'il n'existe pas de sacrifice. Mais que les sacrifices, c'est des règlements des comptes. Hein? Mais dire en tant que tel, on va sacrifier un cabri, on va sacrifier un enfant, ça n'existe dans aucune loge. Mais les pratiques que vous voyez associées, malheureusement en Afrique, le fait de dire ouvertement que vous êtes membre logé de la loge, mais c'est fini. Hein? Vous êtes taxé de tous les noms d'oiseaux. Les gens ne peuvent même plus vous approcher. Hein? Rassurez-vous. Mais alors qu'en Europe, aux États-Unis, je vous l'ai toujours dit, vous rentrez en ligne dans votre ordinateur ou bien à partir de votre téléphone, vous tapez Lodge et puis vous verrez, on te demande quel est votre zip code. Vous donnez le zip code. Bon, on se retrouve quand? Ben, vous dites, on va vous accorder 6 mois d'enquête sur votre moralité. Après les 6 mois, ben, vous recevrez un appel du maître du temple qui va vous inviter à prendre un petit café. Et ben voilà l'introduction. Vous serez surpris, on vous parle. Pendant qu'il vous parle, il vous montre déjà tout, le code, tout. Les symboles, et puis voilà, le lendemain, bon, est-ce que je suis devenu maçon? Il me dit, mais oui, c'est déjà fait. La prochaine réunion, on se retrouve jeudi. Venez à la réunion. Et vous allez même vous ennuyer parce que tout ce qu'on parle là-bas, ça n'a rien de spirituel. Bref, je m'arrête ici. Et les cours sont disponibles en ligne pour vous dire qu'en résumé, les sacrifices humains, les sacrifices d'animaux ne profitent qu'aux individus qui utilisent ce genre de choses. Et que malheureusement, ces sacrifices qu'ils font, malheureusement, toujours de retomber. Et eux-mêmes, ils en sont responsables. Il n'est pas de mon essor ou ce n'est pas mon rôle de venir apporter des jugements par des propos de jugement ou des propos méchants, loin de là. Moi, je crois à la loi du karma et je sais que il ne m'est pas autorisé de faire du mal à quelqu'un, mais pour ma protection, si quelqu'un veut me faire du mal, ben, j'ai des entités qui malheureusement vont le buter. Et souvent, ces maîtres invisibles, lorsqu'ils vont vous taper fort jusqu'à mourir, on va dire que, oh, Agnambi, on nous est sorcier. Il a avoué là que non, en 2020-2005, il a tué 5 personnes. Ce n'est pas moi qui ai tué. Ce sont les gens qui ont voulu me tuer. Ah oui, ils ont voulu me faire du mal. Mais moi, je ne suis pas allé avec mes coups de poing d'arts martiaux aller boxer ce mec-là. Non, non, non. Ce sont mes esprits. Les esprits sont allés tuer. Et dans ce cas précis, va-t-on dire qu'on nous a sacrifié quelqu'un? Non. C'est de la self-défense. C'est pour cela que moi, je n'encourage pas la lâcheté. Si quelqu'un vous fait du mal, bon. N'allez pas accepter qu'il va vous faire le mal comme ça. Voilà, c'est tout ce que je tenais à vous dire sur ce propos pour vous dire une fois de plus que il faut d'abord, quand on parle de sacrifice, il faut d'abord voir la forme de sur quelle catégorie vous basez votre sacrifice. D'accord? Donc vous avez vu toutes les formes de sacrifice. Il y a les sacrifices individuels, les sacrifices de soi, les sacrifices professionnels, les sacrifices de la vie, les sacrifices qui servent et à la fois pour vous. Et votre épanouissement, le sacrifice spirituel, qui est un sacrifice très important parce que celui-là, il peut amener des conséquences graves à cause des ascèses initiatiques qui sont très, très rudes, peuvent même créer des divorces parce que vous allez sacrifier et tuer votre désir sexuel au point où la femme ne vous dira plus rien à vos côtés, mais vous êtes obligé de lui dire gentiment, vous demandez le divorce comme l'a fait M. Indira Gandhi et bien d'autres personnes que je ne vais pas citer les noms ici. Sans leur autorisation. Mais Indira Gandhi, parce qu'il y a des livres qui sont écrits dessus, et nous avons suivi des documentaires. Nous avons l'un de ses petits-fils qui, aujourd'hui, occupe un parti politique en Inde. Il a écrit également dans ce sens-là. Alors, les sacrifices, c'est important dans la vie de les faire, mais il faut faire des sacrifices qui peuvent vous permettre, vous, de vous élever et d'élever votre communauté, d'élever votre famille. Mais pas des sacrifices d'ordre égoïste. Pas de sacrifice égoïste qui consiste seulement à penser à vous-même. Ces sacrifices égoïstes, ce sont les sacrifices d'animaux. Mais il y a des sacrifices d'animaux que vous pouvez faire pour le bien aussi de la communauté. Ça existe. Dans les villages, souvent, les chefs de village ont fait ce genre de sacrifices parce qu'il y a un mal qui ronge dans tout le village. Alors on fait ce sacrifice. Par contre, les sacrifices d'humains, bon, à ma connaissance, je n'ai jamais vu un sacrifice humain qui va servir pour le bien de la communauté. En dehors du sacrifice des chrétiens qui parlent de leur Jésus qui aurait sacrifié sa vie pour sauver l'humanité. Bon, ça c'est le langage religieux, ça c'est leur business à eux, que forcément, moi je ne partage pas cela. C'est pas parce que je donne mon point de vue que les gens viendront me juger. Je le répète que je ne partage pas ce genre d'informations. Mais ça c'est ce que les chrétiens disent. Il faut respecter leur liberté d'expression, il faut respecter leur pratique.
si jusque-là ça a permis de, ça les a permis d'évoluer, si jusque-là ça leur a permis d'éliminer les prisons ici aux États-Unis, d'éliminer les bandits, les crimes rituels et tout, tant mieux, hein? Donc, mais si ce n'est pas le cas, bon, moi je les respecte comme toute autre religion à travers la planète. D'ici là, portez-vous bien et merci une fois de plus d'avoir porté une attention particulière sur ce genre d'informations. Et c'est une question très sensible hein, quand il s'agit des sacrifices d'animaux et sacrifices humains. Hein. Retenez que ce n'est pas des sacrifices que vous devez faire. Je ne vous encourage pas, si vous voulez mon point de vue. Ne faites pas des sacrifices d'animaux, ne faites pas des sacrifices humains, parce que les animaux, dans leur règne animal, ils ont également un royaume. Leurs âmes, y sont, voyez-vous. Et les humains, je ne peux pas en dire plus. Vous savez que l'être humain est l'être le plus évolué qui a été créé directement par Dieu. Et que lui-même Dieu, comme il parle au cas de l'histoire de Caïn et Abel, que le sang de celui ou celle que vous allez tuer ou sacrifier, ce sang là va crier, et rassurez-vous, vous allez très mal finir. Ne soyez pas aveuglés par l'argent. Il y a des sacrifices qu'on peut faire pour avoir l'argent facilement. Vous pouvez sacrifier le maïs, vous pouvez sacrifier la banane, vous pouvez sacrifier le poisson. En un mot, vous n'êtes pas obligé de sacrifier les pauvres êtres vivants, là. Bon, c'est vrai que le maïs, c'est aussi un être vivant, puisqu'il est sous le règne d'un esprit également, certaines entités qui contrôlent tous les quatre éléments, l'élément air, il y a les elfes, l'élément feu, il y a les salamandres, l'élément eau, il y a les ondines, l'élément terre, il y a les gnomes. Bon, là, ce sont des créatures qui contrôlent ces histoires-là du règne végétal, mais autant sacrifier le maïs, autant sacrifier le taro, autant sacrifier les tubercules, puisque chez nous, dans certaines pratiques chez moi au Gabon, et également j'ai découvert cela en Haïti, il y a des sacrifices où on va offrir des aliments. Dans le cadre de la pratique ritualique des ancêtres, on donne des aliments, on offre le tabac, on offre même du rhum. Ces genres de sacrifices-là, c'est mieux que d'aller sacrifier des êtres humains. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end. Merci encore. Merci.